Dur, dur pour les populations de Santa Clara de rallier la ville, surtout ces derniers temps où le bouleversement climatique inquiète plus d'un. Bourbiers, crevasses, nids de poules, lacs ou lagunes comme on peut le voir sur ces images. Le chapelet de plaintes exprimé ici par les riverains. Les conditions de vie là sont terribles ici là. Ici on souffre. La première chose ici là, c'est la route qui ne va pas ici là. Il y a les femmes qui naissent dans les maisons, il n'y a pas de voitures qui viennent nous chercher ici. Ils ont prévenu avoir mandaté une société au nom de Mika Service qui n'a pas abouti à terminer les travaux jusqu'à présent. Pourquoi quand ça à la route, d'autres pays à la route et à quelques kilomètres de Libreville, il n'y a pas la route à Santa Clara. On a fait quoi ici, dans ce village-là? Le quartier, on va dire, il est vraiment désenclavé. On demande vraiment de l'aide au gouvernement, que vraiment, ils essayent un peu de prêter l'oreille à la population de Santa Clara. Enfin, qu'on a quand même une route, comme les voisins qui sont à côté, Malibé, hein? Là-bas, ils étaient comme nous, mais aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ils ont la route est rentrée. Ils ont des fourrages que l'État entretient, mais ici, chez nous, on est complètement abandonné. Cette zone nord du Grand Libreville, ayant au quotidien une attraction avec l'existence des sites touristiques et plages, aurait actuellement un tronçon routier en piteux état. Les autorités compétentes sont ici invitées à trouver les voies et moyens afin de résoudre cette situation.